Donc salut à tous les amis, c'est Vink. Bon, on va répondre directement à une question. Est-ce que c'est la fin de la chaîne? Bien sûr que non. C'est parce que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines que tout de suite la chaîne s'arrête. Vous calmez direct, d'accord? Comme vous le savez certainement, bah moi j'ai repris les cours. Donc qui dit reprise des cours dit plus de boulot. Moins de temps pour faire de la moto en dehors des trajets quotidiens. Et bah là je me rends au cours, il est 8h du mat. Il fait environ 5 degrés. Il va falloir que je songe à remettre mes gants d'hiver parce que là, je suis en train de me cailler comme pas possible. Et donc c'est un petit peu galère. Bon voilà, je pense que j'ai quand même un rythme assez intensif de vidéos pendant l'été. Et ça fait pas de mal de faire une petite pause, voilà. Ça permet de se remettre dans le bain des cours, de faire une petite pause de YouTube, tout ça, tout ça. Comme vous avez bien vu, hein, j'ai pas fait une pause, j'ai fait une pause au niveau des vidéos, je réponds quand même aux commentaires, etc. Donc bon, commencez pas à vous énerver, d'accord? Parce que ça suffit maintenant. J'ai passé à 100 ans, mais je suis extrêmement malade depuis environ 2 semaines. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui est totalement pris. Je suis dans le décès le plus total. Et c'est casse-couille. Bon, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, au niveau de la moto là, je crois que j'ai mes disques d'embrayage à changer. Parce que, eh bien, tout simplement, quand j'embraye en première, bah, la moto avance un petit peu toute seule. Donc c'est chiant. Au niveau du ralenti, ça nique complètement tout. Parce que du coup, bah, quand j'embraye, bah, les disques d'embrayage, ils sont en action, on va dire. Et c'est chiant. C'est très, 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 très chiant. Bon, voilà, il faut que je change ça. Je sais pas quand je vais faire ça. Pour l'instant, ce n'est pas extrêmement gênant, mais il faut que je le fasse. Voilà, sinon, au niveau de la moto, bah, rien de spécial. Attendez qu'il fait 5 degrés, là, commence à... un petit peu douillé au niveau du temps de chauffe, c'est à dire que l'huile de moteur est tellement froide que au kick ça devient compliqué à la faire démarrer. Donc c'est un peu la galère. Voilà, autre chose, ah oui, important, je pense avoir trouvé mon petit coup de cœur pour ma future moto. Attention, un roulement de tambour, une XTX 660. Alors, oui, je reste peut-être en supermote. Non, c'est pas sûr, parce que bah, j'ai pas encore passé le permis et je passe ça en mars et tout, donc voilà, je sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est mon petit coup de cœur, j'ai vraiment flashé cette moto. Le son est totalement démentiel. Et puis, purée, c'est mon petit coup de cœur. Pourquoi cette moto? Bah déjà le bruit. La puissance du mono, le confort d'un supermote mêlé... enfin non, le confort d'un petit trail, on va dire, mêlé à la puissance du supermote. Donc voilà, c'est, je sais pas encore, mais c'est fort probable. Ah, je déteste cette intersection parce qu'il y a tout le temps 8 millions de voitures et j'ai pas trop envie de m'engager. Tu regardes le ralenti là, je suis embrayé et regardez, je lâche et j'avance. Donc à mon avis, c'est mes disques d'embrayage. Autre chose à dire. Projet communautaire numéro 3. Et ouais, rappelez-vous, dans la FAQ, j'avais dit que je ferais mon projet communautaire numéro 3 aux 2000 abonnés. On est aujourd'hui aux 2210 ou quelque chose comme ça. Et bah, il faut que je le fasse. Alors vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo pour ce week-end et vous allez voir, ça risque d'être pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah j'ai pas grand chose. J'ai eu beaucoup de retours pour ma dernière vidéo pub. Et apparemment ça a bénéficié à pas mal de monde. Donc ça c'est... je suis plutôt content, c'était un petit peu l'objectif. J'avais peur que ça bénéficie tout simplement pas. Que les gens se disent ouais d'accord c'est une vidéo pub, mais au final ça sert un peu à rien. Mais au final non, j'en ai eu beaucoup. J'ai le Globe Rider, j'ai FPF en moto, Zilo qui m'ont dit des retours plutôt sympathiques tout simplement. Comme qu'ils avaient gagné une trentaine d'abonnés d'après les retours, hein, je fais du global. Donc c'est plutôt bien, écoutez, la chaîne avance bien, les cours avancent très bien, ma vie avance bien.
Je commence à avoir un petit peu pas marre. Ah putain, toujours cette réserve qui, qui se met à clignoter là, dès que la moto vibre un peu. Donc ouais, bon la 50, bon c'est bien. Voilà. Mais je vous avoue que je suis quand même bien pressé de passer mon permis. Et je commence à compter les jours sur les. À compter les jours quoi, simplement parce que c'est long. La 50 c'est bien, mais au bout d'un moment, bah t'as envie de passer à autre chose quoi. Donc voilà, comme projet sinon bah niveau budget ça risque de le faire certainement parce que je vais sûrement travailler au McDonald's de ma ville hein, comme un petit peu tous les jeunes qui veulent se faire de l'argent. Et puis voilà, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Donc le projet communautaire arrive bientôt. Bah arrive ce week-end, enfin non. La vidéo annonce arrive ce week-end. Et bah après vous faites comme vous voulez. Puis surtout bah continuez de partager, de commenter. Parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne au final. Et voilà. Proposez-moi aussi si vous avez envie un sujet de motovlog, si vous voulez que je parle de quelque chose, que je donne mon avis, proposez-moi dans les commentaires, voilà. Allez, tous les amis, on se retrouve bientôt. Faites gaffe à vous sur les routes. Et puis abonnez-vous.